l'arrivée du colonel Kumbuya. Là, je pense que c'est là, on a l'impression que c'est le président de CNRD qui va venir tout à l'heure. Pour le moment, il n'est pas encore là. Pour le moment, il n'est pas là. Mais vu la manière dont ce cortège est rentré, tout porte à croire qu'il va arriver d'un moment à l'autre. Voilà. Pour le moment, le président n'est pas arrivé, mais... Tirez là-bas, tirez. Nous sommes bien sûr dans la cour de ce réceptif hôtelier qui doit recevoir cette délégation côté guinéenne pour cette rencontre tant attendue qui a mobilisé la presse guinéenne et étrangère ici à Conakry, dans la presqu'île de Kaloum. Retenez que vous suivez la page officielle de Gangan TV. Bientôt donc, peut-être que ce sont eux les négociateurs, ça nous ne pouvons pour le moment pas vous le confirmer. Et vous pouvez bien voir le général Sanou, qui est le directeur central de la sécurité routière, coordonner la gestion de la circulation ici. Bon, non. Ok. Pour le moment, la délégation n'est pas encore entrée, hein. Ils sont là, non? Ils attendent toujours l'arrivée certainement du président du CNRD. Colonel Dumbuya. Et si je comprends bien, il ne va pas tarder à venir maintenant. On va donc vous allez assister à son arrivée ici. Si tu vois ce que je... Voilà. Je pense que c'est le président du CNRD qui vient maintenant là. Voilà, l'arrivée du colonel Mamadou Dumbuya. Si j'ai la bonne information. Bien. Les hommes du colonel. Voilà, Bala Samoura. La force se déploie pour sécuriser son arrivée. Constater l'arrivée des... Et il doit être dans ce pays. Colonel Dumbuya est
dans ce véhicule, donc on va rentrer là. Encore plus long. L'arrivée du colonel Kouya. Voilà qui descend. Voilà le colonel là maintenant. Je remarque tout le regard. Très bonne surveillance. Alors que la presse franchement a mobilisé, le mêle un peu, le colonel est passé par là-bas. On peut bien le constater, la presse ne va pas dépasser ce niveau. Donc la rencontre se tiendra au bout de ce couloir. Où, le presse, où la presse n'aura pas accès. Donc c'est effectif. Le colonel Doumbouya est arrivé ici dans ce réceptif hôtelier pour rencontrer la délégation après des multiples va-et-vient. Après des multiples va-et-vient de ces négociateurs, un colonel que nous ne connaissons pas et le colonel Bala Samoura. On a vu aussi les va-et-vient du général Fabou. C'est en troisième vague, en la troisième position, que le colonel Doumbouya lui-même est venu pour rencontrer la délégation. Donc la rencontre se tiendra au bout du couloir que je viens de vous indiquer tout à l'heure. Et ça se fera à huis clos. Peut-être qu'après, il y aura une déclaration. Vous suivez cette actualité grâce à Gangan TV, la radio, la télé, mais aussi la page. Un dispositif impressionnant. Maintenant, d'un instant à l'autre, nous revenons encore pour vous donner peut-être les détails à l'issue de la rencontre entre le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, et les représentants de la CDAO venus s'entretenir, venus rencontrer les nouvelles autorités de la Guinée. Vous avez compris quand même, inutile de vous rappeler, beaucoup de journalistes guinéens et étrangers donc rendez-vous dans un instant encore tout, encore et toujours avec le duo Serikanya Bangoura Mohamed Lamine Fox depuis cet hôtel du côté de Kaloum. A tout de suite.